Delma 60. L'arrivé, il était accompagné de l'inspecteur de CPJ, de l'opération, il y a un agent de CPJ, agent BRI, agent BLVV, donc vol de véhicule, agent BLTS. Il est allé, il est arrivé d'abord dans un local qui est International Medical Village. L'arrivée est un gros lacou qui est dans un cahier qui construit en bloc, qui est dans le béton coulé sous lui, il est sécurisé par une barrière en fer forgé de couleur grise qui est numéro 8. Regardez le local là, il y a le local là vide, complètement vide. Mais pendant qu'on avance, en face local International Medical Village, il a traversé et c'est là ça, il a rencontré avec M. Christian Emmanuel Sanon. Ah, l'arrivée, il dit, ah, il a eu une bonne information puisque il a eu un bon dossier qui dit que c'est là que M. Sanon. Et probablement, vous avez rejoindre un ensemble de l'autre monde qui a participé dans le complot à tout. Donc, vous dit, ah, vous font un bel coup. C'est comme si vous avez donné qui joue aux et puis vous avez tirage à soir, tirage à New York là. Et puis, pop, vous la sorti. Maintenant, vous arrivez, vous dit, est-ce que c'est Christian Emmanuel ça? Non, monsieur dit oui, monsieur pas couru. Monsieur dit oui. Et monsieur dit, m'a cité pour nous. Magistrat, Kaysa, ce n'est pas pour moi. C'est Kaysa, yon zanmim qui rele Samir Andal, li parti matin pour raison santé. Nous songe matin avec Pierre Expérience, on t'a parlé de ça. Nous songe, m'te dit nous, dans quelles circonstances et dans quelles conditions Samir Andal qui te payé. Escorté de la police. N'a tourné sous lui après. Juge de paix avec toute équipe de CPJ, BLTS, etc., il est rentré dans une chambre qui est dans le dernier niveau dans Kaysa. Et là, arrivé, il a constaté gagner 5 plaques d'immatriculation. Qui va dans une machine, il y a 5 plaques. Il y a 3 qui sont plaques dominicaines. Il y a 2 qui sont plaques haïtiennes. Plaque dominicaine, c'est LJD075 GBB-BX55 LB-LM53. Et puis deux lotios, c'est deux plaques haïtiennes. Première, c'est TM01663. Deuxième, non, c'est TM01660. Pendant le juge de paix a fait constat toujours, l'a cherché, il y a une casquette de couleur noire qui a une mention, un écrito, de Opresso Liber. Yon jouen, attendez bien ça, 7 passeports haïtiens plus 3 passeports palestiniens, tous les 10 passeports sous nom Samir Andal. Yon jouen 10 passeports sous nom Samir Andal. 7 passeports haïtiens, 3 passeports palestiniens. Yon jouen 6 passeports haïtiens sous nom Myriam Andal Azboun. Yo jwenn yon passeport haïtien sous nom Jita Janet. Et yo jwenn 2 passeports, yon haïtien, yon américain sous nom Christian Emmanuel Sanon. Yo jwenn 12 téléphones dans chambre ça. 12 téléphones. Yo jwenn plusieurs chéquiers. Yo jwenn une quantité d'argent presque tout pays. Je jeune une quantité d'argent presque tout pays. Je jeune l'argent haïtien. Je jeune l'argent
Israël, yo jwenn l'argent Corée, yo jwenn l'argent Turquie, yo jwenn l'argent Jordanie, yo jwenn l'argent qui des pays dans chambre ça. Pas oublier que Saint Emmanuel ça non préciser que Kaisa c'est pour Samir Andal. Mais yon nan bay ou pral jwenn qui vraiment montrer que pa gen d'eau pour laver moun sa yo. Tande sa m'pral di la. Yon nan nou sou immigration aéroport international de Port-au-Prince, Haïti, entrée et sortie. Comprenez bien, ça veut dire que yon gen sou immigration la kayou. Nan gen sou immigration, ça veut dire que ou ka dit tout mais monsieur m'pa recevoir monsieur t'es passé dans l'aéroport mais bon garanti il gen sol il gen propre sol il mettait entré l'elle voulait il mettait sorti l'elle voulait il a chita la porte pour ça il parlant ken côté il mettait sous sorti mettait sous entré ya mettait sous sorti pas étonné c'est pas seulement et pour Haïti n'yo gen sous ça OK et on gen sous yo et puis il a sorti il met dehors OK le juge de paix a fait un constat ça et je joigne et plusieurs autres bagages toujours hein je joigne on dit dur je joigne plusieurs ordinateurs portables je joigne iPod et puis je joigne une lettre en correspondance que Christian Emmanuel Sano et M. Gomba elle a dit que les Haïtiens avant tout qui portait date 7 juin 2021 que M. T adressé au docteur Reginald Boulos. OK. Après ça, il est allé dans sous-sol Kaela, plus précisément dans une pièce que gardien Kaela a identifié comme un dépôt. Et ils ont constaté 56 cibles de tir. Ils ont joué 12 boîtes de 5 cartouches 9 mm, 18 boîtes 25 cartouches 12 calibre 12, 29 cartouches calibre 12, un étui à fusil et puis 27 étuis pour les armes de poing. Kounia, ils ont vu fait. Ça non, on parler encore. Yo vinn faire ça non, on parler encore. C'est ainsi que pendant yo fait et ça non parler, ça non dit, m'a cité. Magistrat, comme on te dit déjà, Kaisa c'est pas pour moi, c'est pour Samir Andal lié. Il parti pour raison santé. D'après ça, il te dit. Moi dans pays a depuis un mois pour raison sécurité. Qui fait me choisir était dans Kaisa Pito. Mais vraiment côté Kaimoy c'est toujours. Bagay ça rejoindre dans Kaela tant qu'on cartouche et tuy avec reste bagay qui là yo, moi pas même connais si était dans Kaela parce que moi pas gain accès à toute Kaela. Let ça moi reconnaître c'est moi-même qui t'ai adressé lié à monsieur Reginald Boulos parce que nous qu'on habitué parler. Mais pas impliqué ni de près ni de loin dans dossier l'amour mort président Jovenel Moïse là. D'ailleurs, moi son pasteur la foi pas jamais mais vraiment jamais permettre que moi rentre dans un bagage comme ça. OK, ça c'est on procès verbal côté que vous parlez avec Kamadza on a parlé de monsieur Sanon. Et le monsieur Sanon expliquer ça parce que quand même le fin tendé monsieur c'est tout de suite après ben il a décidé il a dit bon il a procédé à arrestation monsieur Christian Emmanuel Sanon parce qu'il dit que on est comme ça au cas besoin en pile point. Et ça c'était et premier procès verbal que me t'ai partagé avec nous pour que nous comprenions parce que nous pas pressé parce que n'a prend chaque élément et on nous dit une après l'autre pour permettre que nous capable
fait que ou même ou tellement gain information pour qu'on fait propre jugement par vous. Et c'est ça qui expliquait que nous décidons nous dit d'en partager éléments information ça avec vous même. Et on partage un deuxième procès verbal avec nous, pas bien dit nous mettre prendre note. Bon, très certainement qu'on n'a pas qu'un extrait par l'envahi réseau. Ça n'a pas rien menti dans ça. Et commissaire gouvernement remandé Carl Henri Destin, juge de paix suppléant à Pétionville, pour que l'État allait dans Pèlerin 9. Dans Pèlerin 9, Pèlerin 2, c'est-à-dire numéro 9, Pèlerin 2. Dans le local, un petit hôtel qui est l'hôtel Château Host. Il m'a dit pour le faire perquisition. Toujours dans cette enquête-là. Hein. Et comme de fait, juge de paix avec une quantité de monde, même d'Abdinou, qui était allé, mais toujours un BLTS, toujours un DCPJ, Bri, etc., qui est avec lui. Il est allé dans l'hôtel-là. Et là, vous rencontrez deux mondes. Vous rencontrez un citoyen qui est l'origine bon enfant, avec un autre qui est Claude Minos. Origène bon enfant dit, il est gardien et espace-temps. Claude Minos dit, il est agent sécurité. Et l'arrivée, on a fouillé pour rejoindre un chéquier de Banque de l'Union haïtienne au nom de Cédric Gauthier. Quand il est entré dans l'espace, il a rejoint, je me demande si je peux citer tout ça, il a rejoint comme ZAM dans l'espace. Il a rejoint un fusil de marque Sarzil Maz, calibre 5.56. Yon jwenn un fusil FAL, calibre 7.62. Yon jwenn un fusil M14, qui modifié. Yon jwenn un fusil LBC. Yon jwenn un fusil yon Uzi. Yon jwenn un Glock 9mm, modèle 43. Yon jwenn un fusil Carsen 9.3. Yon jwenn un autre fusil marque Savage. Yon jwenn un fusil 12. Yon jwenn un fusil Beretta. Modèle là c'est A400, calibre 20. Yon jwenn un fusil Shaw 7 long. Yon jwenn un ZAM calibre 22. Yon jwenn un fusil marque Ruger. Yon jwenn un fusil marque P Beretta. Yon jwenn un fusil Mac Tornado, calibre 12. Yon jwenn un autre fusil, même Mac Samen, qui gon l'autre série. Yon jwenn un autre fusil Mac Pebiret la, calibre 12. Yon jwenn un fusil Mac Escort Manu, calibre 12. Un fusil Mac Affinity, calibre 12. Un fusil Mac SNSA. 4 autres fusils non spécifiés et puis 366 cartouches 12. L'heure continue. Yo jwenn 3 machines. Une c'est Subaru couleur bleue. Yo jwenn un Volkswagen couleur blanc. Un Mercedes couleur noir. Toutes machines sa yo garé dans la cour hôtel là. Kounia, yo di yap interroge gardien, et puis gardien di, sa ouè, mwen mèm mbèl di la. Gardien di, magistrat, kay sa, se pou madame Gauthier. Se hôtel liye, men, li pa jam fonksyone vèman. Chanm sa, koto jwenn pil zam sa, yo avèk katouche yo, se chanm petit garçon madame qui est le Cédric Gauthier lié. Moi connais un certain Joseph Jean-Pierre qui loge dans chambre en dedans vraiment. Mais par contre qui est lié véritablement.
Yo te dit monsieur, allez dans local Camacho Sécurité SA qui n'a pèlerin 5. Après ça, faut qu'on aller dans un cahier privé qui n'a pèlerin 6 numéro 10. OK. Juste de peux aller avec pile monde que me dit nous déjà yo. Et l'heure arrivée. Yo te joine avec monsieur Joseph Vincent. Monsieur Joseph Vincent, c'est un haïtiano-américain que yo arrêté dans cas d'attaque là. Citoyen ça fait un pile déclaration, il fait un pile révélation, pas ben mentir, il collaborer et avec DCPJ et avec FBI. Monsieur conduit yo dans chambre numéro 4. Monsieur dit c'est là il habitait, c'est là le descend, c'est dans chambre ça lié. Le juge de paix arrivé en dans chambre ça, il est chambre complètement vide. À ce moment-là, dit tête mec, comment monsieur qu'a fait dormir dans chambre ça qui complètement vide. Eh bien, le juge de paix a insisté, monsieur Meneo non l'autre chambre numéro 9 fois ça et le arrivé une paire botte de couleur crème et puis monsieur 11 qui semblait avec botte toute l'autre présumé assassin yo gen en pied yo. Joseph Vincent dit yo et m'a cité magistrat botte ça on constaté dans chambre numéro 9 là. C'est pour dième solage lié. Le pour me déplacer, c'est docteur Christian Emmanuel Sanon. C'est Badio. C'est Rodolphe Jar alias Dodof. Avec John Joel Joseph qui était contre louer machine pour nous. Moi, je suis payé à magistrat depuis 8 janvier 2021. C'est Jean-Robert Balthazar, alias Bob Balthazar, qui t'a contacté. Yo te dit, y a vini dans une transition de concert avec président Jovenel Moïse. Mais il faut que moi prenne contact avec docteur Emmanuel Sanon. Maïssa, pendant la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet, nous sortis la boule, Kaye Dodof. Pour nous descendre, Gaï Président. Il était vers 1h du matin comme ça. C'est Badio qui relait nous. Il dit nous, Président Lakaïli, il a regardé match football. L'on arrivé, nous entrer dans la cour, Gaï Président. Diem Solage, prenez quoi? Alors, pas de voix, nous t'entendons. Il parlait pour le dire, sécurité président, yo, pas tiré. Parce que c'est une opération DIE. Nous te 28 en tout, magistrat. Après ça, policiers qui étaient dans la cour du président, ils ont commencé à tirer. Donc ça veut dire que monsieur une précision en plus que le poté, parce que à aucun moment ils n'ont pas dit que tu as une réplique. Bon côté, en tout cas, policiers ou bien agents de sécurité, la CAI. Président Jovenel Moïse. OK? Il n'y a pas de parler de ça. Mais fois ça, monsieur confirmé que les policiers ont tiré. OK? Et monsieur dit, c'est là ça, même côté, Colombien est rentré quand même. Après ça, je suis rentré dans un petit couloir. Dans un petit temps après, je suis colonel Mike, René au monde dans le téléphone, il dit maintenant, président mouri. OK, ça c'est déclaration Joseph Vincent. Pablo me dit nous que il était mandé pour juge de paix pour aller du local faut aller dans Maxime Boutique Hotel. Après ça faut aller dans Camacho Sécurité SA. Effectivement, il va aller dans pèlerin 5 dans local Camacho Sécurité SA. Le arrivé juge de paix
rencontré avec un citoyen qui relait le Nous Jean-Louis. C'est fait le 29 mars 1985. Monsieur Tap, et c'est couru. Automatiquement, nous avons monsieur prend la fuite. Et il y a quand même chatant. Et puis, c'est ainsi que monsieur déclarait sa nouvelle diou là. Maïsa, Kaïsa, c'est pour Makeli Aristilda. Je travaille dans la compagnie de sécurité comme messager. Je suis juste passé là pour être capable de visiter Kaïla pour lui parce qu'il est en prison. Et puis, madame, ni Canada. Je ne suis pas rien dans le dossier de mon président. OK? Ça, c'est la déclaration que le Nous Jean-Louis fait. L'équipe l'a rentré dans un appartement, toujours dans le local Camacho Sécurité. Ils ont rencontré avec une dame qui est Marie-Dilienne Louis-Jean. Le Nous était Jean-Louis. Ça, c'est Louis-Jean. Il fait 1er janvier 1995. Et ils ont constaté, en dans l'appartement, il y a un gilet pare-balles avec une cagoule noire. Il a interrogé Marie-Dilienne Louis-Jean, Lydie, et n'a pas cité. Maïssa, c'est Badjo qui le cas là pour moi. Il n'a pas dormi là, non? Il a travaillé dans l'ULCC. Cagoule ça, avec gilet ça, vous constatez là, c'est pour lui. Il habite Klessim, magistrat. Et moi, quand il a là, si vous voulez, nous allons mener nous, nous allons montrer nous qu'il a là.